Shalom, shalom. Je suis le pasteur Philippe du ministère de la Compassion des âmes. Et nous sommes aujourd'hui à cette date du vendredi 11. Shalom, shalom. Je suis le pasteur Philippe du ministère de la Compassion des âmes du prophète Joël Crasso. Il faut dire que nous sommes à cette date du vendredi 10 mars 2017. Et nous sommes dans la région d'Abengourou, précisément dans le village de Zamaka, où le prophète, inspiré par le Saint-Esprit, a déterré un cadenas mystique et une tête de chat. La responsable de tous ces fétiches est là. Nous allons lui arracher quelques mots. À quoi servait C'était pourquoi? Comment tu l'utilisais, le cadenas? J'avais parlé et j'ai enfermé tout le bien de la famille. Pour enfermer le bonheur de la famille à travers le cadenas. Et ça servait encore à faire quoi encore? À part le bonheur, qu'est-ce que tu avais encore en famille? Le bonheur, le bien. Le bonheur, tout ce qui est. Le blocage. Voilà, pour amener les blocages dans la famille. Tu avais enfermé tout le bonheur de la famille à travers ce cadenas. Et la tête de chat qu'on voit. Oh, juste la tête de chat. Mais pouvoir, c'est le nez étant mon pouvoir de pouvoir agir. Non, explique bien, on n'entend pas ce que tu dis. Le pouvoir, c'est le nez étant mon pouvoir pour pouvoir. C'est ton pouvoir. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, le pouvoir. Ton pouvoir vient de là, de la tête du chat. Donc tu as un pouvoir de chat pour détruire les vies tuées. Oui. C'est ça. Le cadenas servait à fermer le bonheur. Tout le bonheur de la famille se trouve dans ce cadenas qui est encore fermé. Et la tête du chat, ça c'est ton pouvoir. On peut passer. Dieu nous a donné le pouvoir de détruire tout ce qui est présence de la sorcellerie. Si quelqu'un dit qu'on ne peut pas extérioriser ce que les sorciers ont enterré, c'est archi-faux. Il faut dire que Dieu nous a donné le pouvoir. Dans Luc 10, verset 19, il dit « Je vous donne le pouvoir ». Ce n'est plus lui-même qui va venir, mais il nous a légué le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir pour que nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Et ce que vous voyez fait partie des œuvres de la sorcellerie. Le cadenas, la tête du chat, dont ce sert cette fille que vous voyez, pour détruire les vies, fermer les bénédictions, le bonheur des gens. Et voici un peu en un mot, c'est pour dire en un mot que Dieu est capable d'extérioriser, mettre à nu tout ce que le diable avait enfoui pour détruire les vies, blocage dans les familles. Shalom, que Dieu vous bénisse. Ok. Donc comme je le disais, nous voyons ici un cadenas. Oui, il y a 8 coris dessus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qui fait un total de 8 coris habillés de la peau, avec la peau de choses. Avec la peau de quoi? Le cadenas habillé avec quelle peau? La peau de quel animal? C'est la peau du même chat. Ok. Maintenant, à quoi servent les coris? Pourquoi les coris? Pourquoi la peau du chat? On voit la tête du chat, on voit la peau du chat. Pourquoi? À quoi sert tout cela? Ça fait un maquillage. C'est un maquillage. Ok, pour habiller le cadenas. Mais maintenant, quel est le rôle même du cadenas? Le maquillage, on voit le maquillage, c'est vrai. Mais le rôle du cadenas même, c'est quoi au juste? C'est d'enfermer tout ce qui est bonheur de la famille. Donc à travers ce cadenas, tu as fermé le bonheur de la famille. Ça veut dire que les sorciers ont la possibilité, la capacité de fermer le bonheur d'une personne. Mais comment vous arrivez à voir le bonheur de la personne? Comment vous arrivez à voir le bonheur de la personne? C'est-à-dire, tu vois une personne comme ça, tu sais que la personne sera heureuse demain. La personne sera prospère, la personne sera riche et tu arrives à fermer ce bonheur. Comment tu arrives à voir le bonheur? Comment tu arrives à voir la réussite
l'élévation de la personne, la réussite de la personne que tu fermes. Comment tu arrives à voir? Vous avez des caméras? Oui, c'est pas la télévision. C'est pas la télévision. Ok. Ce que tu viens de dire, est-ce qu'on t'a forcé à le dire ou bien tu reconnais que c'est toi-même qui as fait tout cela? Tout cela vient de toi? Non. Tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que ça vient de toi ou bien on t'a forcé ou bien tu reconnais que tout cela vient de toi? Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en la sorcellerie. Il y a des gens qui ne croient pas qu'on peut fermer la bénédiction d'une famille. Donc, est-ce que cela vient de toi ou on t'a forcé? On ne t'a pas forcé. On ne t'a pas forcé. Ok. Maintenant que c'est dévoilé, c'est détruit. Parce que Dieu détruit tout ce qu'il dévoile. À la sorcellerie, tout ce qui est œuvre de la sorcellerie qu'il dévoile, il détruit. Ok. Maintenant que c'est dévoilé, est-ce que les personnes sont libérées? Les personnes qui étaient victimes sont libérées? Les personnes sont libérées. Tu leur as donné leur bénédiction. Okay. Ouais. Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, Jésus, est le Dieu de la restitution. Le ministère dans lequel nous sommes, le ministère du prophète Joël Crasso, le ministère qui a été inspiré par Jésus lui-même, n'est pas limité. Il faut dire que ce ministère part depuis le blocage jusqu'à la restitution de tout ce qui a été bloqué par la sorcellerie. Amen. Donc tout ce que les sorciers avaient détruit, Dieu est capable de restituer cela, de repositionner encore les vies dans leur destinée. Ce cadenas servait à détruire les vies humaines. Ce cadenas servait à détruire le bonheur des gens. Mais une fois dévoilé, une fois détruit, les personnes qui étaient enfermées, les personnes dont le bonheur, la réussite, la richesse était enfermée, sont libérées et du coup, les personnes peuvent aller encore être repositionnées dans leur destinée. Voici un peu le travail que nous faisons en ce qui concerne le ministère de la compassion des âmes. Shalom. Moi, c'est Ndrama Ewouman Paul. Je suis un enfant de Zamaka, né à Zamaka. C'est dans la sous-préfecture d'Avangourou. Je suis la famille Ndrama. Aujourd'hui, nous avons invité un homme de Dieu qu'on appelle le prophète Joël Crasso. Pourquoi l'avons-nous invité? Parce que nous avions constaté que nous traversons des situations. Parce que malgré tout ce que notre papa a fait pour nous, nous a scolarisés, il nous a permis d'atteindre certains niveaux. Que ce soit mes grands frères, jusqu'à moi, jusqu'à derrière moi. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Nous, on ne se comprend pas. On fait des réunions, on veut réaliser certaines choses, mais ça n'a jamais abouti. Jusqu'à ce que par les prières, on sache que vraiment, il y avait vraiment une main obscure qui était à côté de nous. Il y a l'une de mes nièces, la fille de l'un de mes frères, qui avait été initiée à la sorcellerie. Et elle dit que depuis sa naissance, elle a 33 ou 34 ans. C'est-à-dire que depuis 34 ans, nous étions dans la captivité. Mais le Seigneur est le souverain. Nous sommes allés voir le prophète. Il est venu une première fois il y a 2 ans. C'était en 2005 et 2015. Il est venu, il a posé les premiers actes, il est parti. Après on a envoyé même la sorcière en question à Divo jusqu'à Zaroko. On a essayé de la délivrer, mais le prophète m'a vu qu'en fait elle ne voulait pas parce que mais il voulait même cacher la sorcellerie dans sa fille pour venir reprendre après. Et mais Dieu avait frappé sur ses seins et ses seins étaient entrés pourris. En août passé, on a lutté, le prophète est encore venu. Mais puisque nous sommes dans la captivité, ce groupe de sorciers, cette confrérie-là, peut-être en accord avec d'autres confréries depuis peut-être sur toute la ligne, ils ont empêché le père d'arriver. Ils l'ont empêché de venir. Donc il est arrivé,
Mais un homme de Dieu, il agit avec la permission de Dieu. De Dieu. C'est Jésus qui dit non, va faire. Il n'a pas eu la permission, il est reparti. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Toute la famille Ndrama est dans la joie. Parce que aujourd'hui, nous avons été délivrés. Comment? Ils ont enterré, ils avaient enterré tout ce qui était bon sur nous. C'est-à-dire, père, comme enfants, petits-enfants. Ils avaient enterré, ils avaient fermé ça dans un cadenas mystique. Et puis une tête de chat. Ces deux symboles-là, bon, vraiment. Et on lui demande d'où vient, d'où est-ce qu'elle allait prendre son cadenas. Il dit qu'elle allait prendre ça au Burkina. De toute façon, elle ne connaît pas le Burkina, mais spirituellement, elle allait prendre ça au Burkina pour faire du mal à ses oncles, à sa grand-maman, enfin à tout le monde. Mais l'homme de Dieu a repéré là où était caché vraiment notre bonheur. Parce que notre bonheur là était enfermé dans ce cadenas-là. L'homme de Dieu a déterré ce cadenas. Nous sommes libérés. Je suis dans la joie. Toute la famille vraiment est dans la joie. Toute la famille vraiment remercie le prophète Joël Crasso pour le combat qu'il est en train de mener. On remercie Jésus. Jésus qui est passé par son fils pour nous délivrer. Je remercie le Seigneur. Parce que c'est par son esprit. C'est par son esprit même que moi, personnellement, je me suis porté garant pour sauver ma famille. Combien de fois je ne suis pas allé à Divo? Combien de fois je ne suis pas parti? Combien de fois je n'ai pas été attaqué? Je n'ai pas peur d'eux. Parce que je sais que j'ai un Père qui veille sur moi, c'est Jésus. Et c'est la force de Jésus qui m'a permis de partir jusqu'à permettre qu'il soit là. Toujours on fait des révélations. Et toi là, tu as fait accident, il paraît que tu as fait accident. Oui, mais Jésus m'a toujours sauvé. Comme je le disais, aujourd'hui, moi je suis convaincu. Je suis convaincu de quelque chose. La sorcellerie existe. Le sorcier n'est pas là seulement pour nous tuer. Le sorcier n'est pas là seulement pour nous tuer. Le sorcier peut enlever ton étoile. Et c'est ce qu'elle a fait. Bien sûr qu'elle a tué certains de mes frères. Elle a tué mon grand frère. Elle a tué mon petit frère. Elle a tué ma nièce. Elle a tué sa propre maman. Elle a tué la fille de ma nièce. 5 personnes dans ma famille. Elle me dit à tout en tout, elle a tué 120 personnes. C'est pour vous dire que la sorcellerie, elle existe. La sorcellerie existe. Et puis, ceux qui ne croient pas en la sorcellerie, comme papa le dit, bon, peut-être qu'ils même sont sortis, c'est ça. Sinon, la sorcellerie existe. La sorcellerie existe parce que moi-même, j'ai fait vraiment ce que moi, je suis allé voir. Comment, c'est pas dans la terre qu'on a déterré, hein. On a déterré ça, c'est-à-dire le ciment. Une chambre cimentée, on a cassé. Et puis, on a retrouvé tous ces trucs-là enfermés dedans. Ce n'est pas dans la terre pour dire que non, peut-être que c'est l'homme même qui est parti creuser pour mettre là et puis on est venu faire magie. Non, c'est la sorcellerie. Et ML a affirmé que non, ça fait, ça se déplace. Non, ça se déplace, ça allait se cacher là-bas pour ne pas qu'on puisse casser. Mais le Seigneur est souverain. Donc moi, j'attire l'attention puis je lance un appel à tous ceux qui sont encore hésitants. Tous ceux dans la tête de qui on met. Comme quoi la sorcellerie, ce sont des histoires. Ils n'ont qu'à aller sur YouTube. Ils n'ont qu'à taper prophète Joël Crasso. Et puis ils n'ont qu'à voir, comment on appelle ça, les aveux des sorciers. Si tu tiens, que tu lis, tu regardes les aveux, tu seras convaincu que la sorcellerie, elle existe. Elle existe vraiment. Elle existe vraiment. Et que vraiment, c'est le mal de l'Afrique. Bon, mais nous, moi, ma famille, Ndrama, nous, on a décidé aujourd'hui, nous sommes sauvés. La sorcellerie nous a libérés. Le Seigneur Jésus nous a libérés de la sorcellerie aujourd'hui. Je suis dans la joie et je remercie le Seigneur Jésus. Je remercie vraiment le prophète Joël Crasso avec toute son équipe qui est venue de Divo jusqu'à dans mon village. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Merci. Je me nomme Ndrama Nkwasi. Je suis donc la famille Ndrama qui a demandé au prophète de venir nous visiter. Comme nous l'avions déjà signifié, la sorcellerie
dans notre oui. famille se manifeste et s'est manifesté. Donc, à mon humble avis, c'est une pratique des initiés, mais elle existe bel et bien. La preuve, c'est que les personnes qui la pratiquent avouent être sorciers ou bien sorcières. Donc, moi, j'y crois. J'y crois. Et pour ceux qui ne croient pas, je pense qu'ils doivent réviser leur position parce qu'il y a des aveux et les manifestations sont légion dans toute la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que ces aveux qu'ils nous font sont des montages? Moi, je ne crois pas. Puisque plusieurs personnes affirment et ils font ces aveux. Et c'est partout en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Donc je ne crois pas que partout on fasse de mon montage. C'est une réalité à laquelle moi j'y crois. Et j'invite les incrédules à réviser leur position parce qu'ils risquent de se faire surprendre un jour. Ben, je suis ceux qui intègrent à Tasséré. Je suis né à Zamaka. Et la famille Drama m'a invité à cette façade-là. Pour voir un peu le miracle que le prophète fait au nom de Jésus. C'est vrai, nous avons vécu ce qui s'est passé hier et ce matin j'ai vu de mes propres yeux ce que le prophète a fait sortir de terre le fétiche de la jeune dame. Et je reviens pour dire que Monsieur Ndrama Paul est mon frère depuis l'enfance, un ami d'enfance, un frère et tout. Et c'est à chaud que je témoigne ce que j'ai vu. Je crois vraiment que la sorcellerie existe. Donc je voudrais inviter tous mes frères et sœurs à croire en Jésus, à donner leur vie entièrement à Dieu, à beaucoup prier et que Dieu fait des miracles, car au-dessus de tout, il y a Dieu, il y a Jésus. Donc, j'invite tout le monde à Jésus, à croire en Dieu et à beaucoup prier. Je salue le prophète Kasso pour tout ce qu'il fait pour nous, car tout ce qu'il fait dans le village de Zamaka, c'est pour nous tous. Je suis là parce que moi-même j'en ai besoin. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais je sais que Dieu, à travers lui, fait beaucoup pour moi. Et ça va agir sur ma famille. Et nous disons merci à tous, merci au staff, merci à Jésus. Salut prophète. Ici, moi c'est Ndrama Mbrou. Je suis de la famille Ndrama. Voilà. Ici c'est la maison de mon grand frère. Et depuis 2004, cette maison existe. On a commencé à la construire, mais vraiment, il n'y a pas d'évolution. Et nous sommes là aujourd'hui. Nous avons invité le prophète aujourd'hui ici au village. Mais vraiment, nous avons vu que vraiment il y a d'évolution parce que aujourd'hui, nous avons su qui au moins nous mettait dans les problèmes. Tout à l'heure, j'étais à la maison, il y a ma nièce même qui m'a dévoilé certainement qu'elle m'a fait mise en prison. Pour rien. Qu'elle a été forcée et pour me mettre en prison. Je n'ai pas commis d'acte pour pouvoir aller en prison, mais le fait qu'elle soit dans la confrérie, ils l'ont forcée à me mettre en prison. Et elle a fait. Vraiment, nous souhaitons que vraiment le prophète nous sauve. Parce que vraiment, nous sommes vraiment dans des problèmes. Voilà pourquoi je vous dis, vous qui n'êtes pas encore convertis, de vous lier au Seigneur. Parce que c'est lui seul qui a la solution. Nous souffrons. Oui, certes, c'est vrai, mais c'est le Seigneur qui a la solution. Nous prions. Il y a d'autres qui ne prient pas, il y a d'autres qui ne croient pas en Dieu, d'autres ne croient pas à la sorcellerie. Mais la sorcellerie existe vraiment. La sorcellerie existe grâce au prophète Joël Crasso. Aujourd'hui, je suis que la sorcellerie existe. Moi, j'ai beaucoup défendu ma nièce. Mais aujourd'hui, Dieu m'a démontré qu'elle, parce qu'elle-même, elle me l'a dit ouvertement, tout ce qu'elle a fait pour
contre la famille. Donc voilà pourquoi ceux qui ne prient pas, je vous dis de vous donner à Dieu, parce que c'est Dieu qui a la solution. Avec Dieu, tout ce que tu cherches, tu vas l'avoir. Voilà pourquoi je vous parle. Voilà. Parce que ce village même me connaît en tant que grand palabreux. Mais aujourd'hui, moi je me suis confié au Seigneur. Mais je l'ai trouvé où? En prison. J'ai trouvé mon Dieu en prison. Bien vrai qu'elle m'a envoyé là-bas, mais elle m'a arrangé d'un moment. Parce que bon, moi, aujourd'hui, au moins, je suis le Seigneur. En sortant de la prison, moi j'ai donné j'avais une Bible et un Nouveau Testament. J'ai donné mon Nouveau Testament à un jeune de ma cellule. Il lui a dit, mon petit, prends ça, prie et jeûne. Demande à Dieu ce que tu veux. Ce n'est pas un croyant. Mais ce que je lui ai dit, il a suivi. Et quand il a suivi, un mois après, le jeune homme m'a appelé. Il dit, Vépère, tu es où? Il dit, je suis au quartier. Il dit, je suis sorti de la prison. J'ai suivi tout ce que tu m'as dit comme conseil, tu m'as donné comme conseil. J'ai jeûné, j'ai prié. Et Dieu a exaucé ma prière. La grâce est venue, mon œil est sorti. Oh, j'avais 5 ans à faire en prison. Je lui ai dit, Alléluia. Mais n'abandonne pas ton Dieu. Parce que c'est lui qui t'a fait sortir. Voilà pourquoi. Tous les jours, il faut le prier. Tous les dimanches, il faut. Tu as 6 jours pour faire, pour vaquer à tes occupations. Mais tu as un seul jour pour lui. Il ne faudra pas l'abandonner. Et il m'a compris. Et actuellement, je suis Dieu. Donc je vous demande, vous tous, qui ne suivez pas Dieu, de venir envers lui. Parce qu'il a la solution à tous nos problèmes. J'en ai fini. Merci.